Eh bien, il a parlé de ça depuis quelque temps, avec décision autorité américaine qui a été prise pour déporter des gens, soit qui ont des problèmes aux États-Unis, ou bien qui étaient dans une situation côté, il n'y a pas en format immigration, mais tout qui a plus de peine, par exemple, dans le cas de Toto Constant, monsieur était en prison aux États-Unis pour question hypothèque, il était fraude, il était fait fraude, donc il a fait plus de peine. Eh bien, c'est dans un moment ça, autorité américaine yo ben décidé voyez parmi l'autre moun y a déporté Emmanuel Toto Constant. Monsieur arrivé jodi an nan mitan journée an d'après toute information qui disponible et li nan direction centrale police judiciaire. Qui est Toto Constant? Yé, c'est leader organisation paramilitaire Front pour avancement progrès Haïti FRAP. En pile moun ki a opiné, ki a observé, yo wè ou nan retour Toto Constant nan contexte difficile pays a vive là avec tout ça qu'on est déjà yo question gouvernance sur plan politique insécurité groupe gang kap marché tribo et babo dévanger tout moun et nou wè ça qui s'est passé tout l'autre jour dimanche là nan Grand Ravine nan Martissant yon moun la police di l'ap cherché et ministre justice by lord passe instruction pour arrêter un bel capable circuler libre libre monter descendre devant impuissant la police en pile mon ouais dossier ça tant qu'un véritable scandale parce que tout simplement Toto Constant il était joint une condamnation par contumace dans cadre procès Raboto dans cité indépendance dans Gonaïve il était condamné d'Edol et rivé monsieur dans pays a grand pile question qu'a posé par rapport à contexte ça contexte difficile avec San Sodzou là groupe gang qui mettait tête ensemble qui fait fédération Genève et devant autorité ou même si un pile monde dit ta gagné connivence entre pouvoir ak des groupes gang qui a fait des faits mais tout la police qui est impuissant qui pas dit rien qui pas fait rien en pile question à poser pour connaître qui sac derrière dossier ça dans contexte difficile n'a vivre là Toto Constant, c'était membre CIA et il dit ça, pas de aucune information contradictoire dans ça. Et faut que nous soulignions pour chef diplomatie haïtien, en fait gouvernement à travers ministre affaires étrangères haïtien Claude Joseph. L'été dit et n'a cité, yo gon espèce on sorte de moratoire puisque ça t'a parlé déjà pour Toto Constant déporté en Haïti mais il t'a fait une sorte de plaidoyer si me capable comprendre ça il t'a dit pour dire eh ben on nous quitter ça toujours pour ko faire li etc etc ben c'est pas ça nous ouais Toto Constant vini quand même et qui ça t'a fait vraiment nous pas connaît. Et puis, en pile question qui est capable de poser pour qu'on ait qui rôle et qui ça, qui principal objectif qui derrière question ça. Vini Toto Constant, nous connaît qui était un rôle, il a joué tout de suite après coup d'État, 30 septembre 1991, contre ancien président de la Valas, Jean-Bertrand Aristide. Et là, ça, c'est le moment ça, groupe ça a été formé. Et Dieu seul sait combien de monde qui mourit ici dans Port-au-Prince. Et dans la province avec plusieurs assassinats, plusieurs actes de violence qui étaient gagnés dans la période 91, 93, 94, dans le moment frappe tap opéré. Même si pas un chiffre qui est disponible, mais tout le monde connaît quantité moun, en pile moun qui était mouri dans l'époque frappe Toto Constant tap opéré. Ministère Justice sorti une note pour le faire connaître. Eh ben li informé population en général ak la presse en particulier nommé Emmanuel Constant dit Toto Constant li déporté li rentré ici en Haïti dans aéroport international Toussaint Louverture dans cadre yon vol spécial avec l'autre déporté pareil li eh ben l'arrivé journée mardi 23 juin d'après sa note ministère justice et sécurité dit eh ben monsieur Constant force l'audio à travers unité dans DCPJ te metmen nan pat kasav monsieur li à la disposition la justice pour ça yo reprochel bureau communication ministère justice ak sécurité publique nan note très laconique li bay sous
Toto Constant qui nan men la police d'après ça le dit. Mais nous t'ai parlé avec Antonal Mortimer, youn directeur collectif Défenseur Plus qui fait connait effectivement Toto Constant li pour l'instant nan direction centrale police judiciaire de CPJ nan cadre démarche administrative d'après ça le dit avant yo menel nan prison. Antonal Mortimer fait connait li rappeler tout zak équipe ça te gen en tête li Toto Constant te fait dans pays nan période après coup d'état 91 là et puis tout te tout profiter parler de association groupe gang armé qui met tête ensemble sous base y a fait la paix en nous côté Antonal Mortimer. Voilà, nous avons écouté Antonal Mortimer dans le micro, qui est Jean-Pierre Tello, sous retour Toto Constant. Nous avons parlé tout avec un membre du comité exécutif Famille Lavalas, Dr. Myrto Julien, qui réagit à chaud en attendant Famille Lavalas prend l'autre position sous question 1. Li fait connait peuple la gen mémoire. Et li songe qui ça frappe avec Toto Constant en tête li t'a fait dans période après coup d'état 30 septembre 91 là. Li dit Toto Constant pas gain place li ici et li insiste sur nécessité pour un changement système et le fait qu'on est Famille Lavalas toujours été cohérent dans position. Explication docteur Myrto Julien, membre comité exécutif Famille Lavalas. Population haïtienne et mémoire, qui songeait sa frappe, qui songeait sa totocontente. Et population haïtienne dans sa lapiconnière comprennent très bien pour qui ça. Ils ont fait totocontent entrer dans le pays à un moment. Nous vivons une situation côté nous, il y a massacre de population et que l'impunité a continué à empêcher que par yon monde qui a indexé, yon groupe qui a indexé, qui fait massacre ça, qui j'aime pas être devant juge naturel, ou bien qui j'aime mettre en basse. Donc là, dans l'atmosphère ça, on prend yon monde avec réputation Toto Constant, qui fait tout pour nous enjeux, frappe, ça est tout qu'on fait, ou tout comprenne tout de suite pour qui ça, yon mettez élément ça en plus dans l'équation que le peuple a dû résoudre dans le moment. Parce qu'effectivement, le peuple a dû résoudre le problème ça. Et
nous-mêmes qui sommes dans la politique, nous-mêmes qui sommes à jouer le rôle de leader, que c'est leader d'opinion, que c'est leader politique, nous devons comprendre de plus en plus la nécessité pour que nous mettions ensemble pour changer le système ça a tellement barré qui fait pays à route, qui continue à accoucher bagaille ça chaque jour. Et c'est pour ça qui fait que nous-mêmes dans 20 000 avalas, nous étions cohérents avec la position que nous toujours gagnons. Côté peuple ailleurs, c'est la nouillette, peuple à clé qui s'avère. Et tout au constat pas de place dans Haïti que peuple à vlé. Et frappe pas de place dans Haïti que peuple à vlé. Ni massacre qui continue à faire sous démocratie, pas de place dans Haïti que peuple à vlé. Et nous-mêmes, nous travaillons ensemble avec toute force, toute leader, tout personnage, toute organisation, que ce soit des civils, que ce soit des secteurs politiques, là, pour nous rectifier l'escapé du pays. Ça veut dire pour nous mettre le pays à sourire, en l'autre mode, l'État, côté nous, qu'a senti que dignité peut être respectée et que volonté respectée.